Monica. Oui, oh, tu es nerveuse, hein, oui. Tu sais pas où on va, ben c'est normal. C'est un pays que tu connais pas. La Tchéquie, c'est un tout nouveau pays dans l'Union Européenne. Mais oui, tiens, je vais en profiter pour te raconter l'histoire de Milan qui vivait à Marienbad. Oui, en Tchéquie, bien sûr. Alors, la veille de Noël, sa maman lui confia une mission de la plus haute importance. Apporter un paquet chez sa tante Irina pour Milos, son bébé, qui venait de naître. Et sa maman insista beaucoup. « J'ai travaillé toute la nuit pour lui tricoter cette couverture. Cours vite lui apporter. Je ne veux pas que le petit Milos attrape froid. » Alors Milan se mit donc en route. Mais en chemin, il rencontra son meilleur ami, Ivan, qui l'invita chez lui pour goûter. Alors très vite, Volodia les rejoint avec sa luge et ils partirent faire des glissades. Milan s'amusait comme un fou. Le jour commençait à tomber et il décida enfin d'y aller. Mais Milan ne trouva plus le paquet de sa maman. Alors paniqué, il chercha partout, refit le chemin à l'envers, chercha dans la maison d'Ivan, mais rien n'y fit. Le paquet avait disparu. La nuit était maintenant tombée et Milan, ne sachant quoi faire, courut se cacher dans la forêt et se mit à pleurer. « Ma maman a travaillé pour rien. Irina attend la couverture pour son bébé. Et à cause de moi, Milos risque de mourir de froid. Je suis bon qu'à rien. Tout le monde serait tellement plus heureux sans moi. » Alors à ces mots, un lutin sortit brusquement d'un terrier. « Salut! Je suis ton lutin! » « Que me veux-tu ? » lui demanda Milan. « Tu ne vois pas que je suis malheureux ? Que je rends tout le monde malheureux autour de moi? Ah, si je n'étais pas né, le monde tournerait bien mieux. Tu en es sûr? Lui demanda le lutin. Et devant la mine butée de Milan, il lui dit: eh bien, d'accord. Viens voir ce que serait la vie si tu n'existais pas. Alors Milan suivit le lutin jusqu'à son village. Il écarquilla les yeux. Mais où est la grande banderole « Joyeux Noël » et les lampions de couleur ? S'étonna-t-il. Tout avait disparu. « Mais c'est toi qui as eu l'idée de cette banderole. Puisque tu n'es pas né, elle n'y est pas. Et c'est pour ton école que ton papa a fait les lampions. Sans toi, il n'y aurait jamais pensé. » Le village semblait tout triste. Et Milan était désespéré lorsqu'il aperçut Ivan. Alors il courut vers lui, mais Ivan s'enfuit à toutes jambes. Milan voulut le rattraper, mais il tomba dans la neige. Mais c'est pas possible! Ivan est mon meilleur ami. Pourquoi s'enfuit-il en me voyant? Je te rappelle que tu n'es pas né, Milan. Dans cette villa, Ivan ne te connaît pas. Tu n'es pas son meilleur ami et tu n'as jamais pu lui apprendre à faire des arcs dans des branches d'arbres. Alors Milan implora le lutin que tout redevienne comme avant. « T'es foi, Milan. La vie, c'est comme un puzzle. Chaque être humain est important. C'est tous ensemble que nous construisons le monde. Oui, tu aurais dû obéir à ta maman plutôt que d'aller jouer. C'est une bêtise, une grosse bêtise, mais... tu n'as pas le droit de dire que tout le monde serait beaucoup plus heureux sans toi. Au contraire, ne l'oublie jamais. Et puis ne t'inquiète pas. En cherchant bien, on va la retrouver, la couverture de Milos. Mais regarde qui arrive. C'est ta maman. Va vite la voir. Je crois que tu as quelque chose à lui dire. » Et Milan courut se jeter dans les bras de sa maman. Et toi, ma petite Tika, hein? Tu es mon petit lutin, hein? Oh oui, mais il faut qu'on se dépêche, hein? Sinon, les petits-enfants de Tchéquie n'auront jamais leur cadeau. Allez, viens, viens me donner un coup de main. Alors, tu vois, le bolduc doré à gauche, le bolduc bleu à droite.